السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. En premier, chers frères et sœurs, nous guettons à qu'Allah subhanahu wa ta'ala permette nous pour t'en dire de namaz Isha. Quand l'imam finit une partie de la surah 41, surah Fussilat, un de bon moment, un de bon étape qui est plus difficile dans la vie d'un personne. Plus difficile qu'il fait parce qu'il meilleur parmi les insans, meilleur de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala fin crée. Lui, quand il arrive à cette étape-là, il dit avec son madame Aïcha radiallahu anha, La ilaha illa, innal maut la sakarat. Il dit La ilaha illallah, certainement l'amour est sakrat. Sakrat, c'est une réalité, chers frères et sœurs. C'est ce moment qui s'est dit, il arrive à la fin de sa chance pour lui faire bonne action, le début, le retour de l'akhirat. Ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, de plusieurs places du Coran, finalement, de différentes façons, afin qu'il nous réalise qui ban moment, qui ban étape, qui ban souhait, qui ban dimoun ina de sa lira. Nous tant sakrat, sakrat, sakrat. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce qu'il est fin permet nous pour tendre de la mazécha, c'est que Allah, quand il dit à nous, Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Ban qui dit à notre Rabb, c'est Allah, ensuite je tiens, je firme. Je tiens les firme de toute la vie pour reste de l'obéissance à Allah. Sabana, Allah subhanahu wa ta'ala qui dit Tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Ban ange descend les autres. Jésus, pas pire, pas triste. Qui moment que ce ban ange là descend? C'est ce moment quand ça dit mon là. Sorou monte vint de sur la gauche. Endurou, quand il monte vint de la gauche, veut dire qu'il bloque la parole du monde et qu'il bloque sa circulation respiratoire. Il bloque ça avec lui là. À partir de là, qu'il dit qu'il rentre de sa crainte. Nous, on dit, comment nous connaissons que le monde vient de rentrer de sa crainte? C'est un seul signe que vous connaissez. Vous connaissez parfois où on dit, tout un étoile qui est un tel de sa crainte. Car il y a des bicons, trois ouïes de sa crainte. Ce moment qui revient contre la gauche, malheureusement, vient pour tirer ce rôle-là, il ne parle pas au jour, ça. Comment nous connaissons un dimoun de sa crainte? Ce n'est pas pour l'inarrêt de causer, ou bien sur les... c'est nous qui sommes sur des pieds. Sur des pieds. Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit à nous dans la surah 75, sur la Qiyama, كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقَ. Certainement quand Roula est monté une vinscala pour demander que ça n'a un roc pour les autres, un roc qui n'a pas fait Roula descendre. Personne. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ. Il connaît, ça c'est le moment de séparation. Il finit qu'on y a ce terme. Tout de suite, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ Il a rabbi kayoma idin il masak. So délipier costé ensemble, se retrouver sur Robastia. Celle signe qui nous est là, nous, dimoun à l'extérieur, qui nous connaît sa dimoun de sa crainte, chers frères et sœurs, c'est quand nous guettons ce délipier. Ou élargir, vous trouvez sur le pied revenir ensemble. Là, lui, dans sa crainte. Là, sa dimoun de sa crainte. Donc, c'est un moment-là, ça la voile l'eau ligée là enlevée. Dit comment on se trouve l'invisible. Dans ce moment-là, un ange vient avec lui. Il dit à lui, « Allah takhafu wa la tahzanu. » Pas pire, pas triste. Pas pire, la frayeur est venue pour le futur. La frayeur est venue pour le futur. Ça veut dire qu'il y a un enfant qui est absent de l'école. Quand il dit à lui, « Il n'y a pas de parents connus. » Il peut pire pour rendre la case à lui. Ça, la frayeur, qui peut arriver plus devant. « Wa la tahzanu. » Pas triste, la tristesse qui vient de le passer.
Ban ange là réconforte ça dit mon là pour ça des étapes là. Pas payer sa destination qui te pour aller là parce que pour une fois tu prends là-bas là. Chef, nous pas connu ça. Roue pour monter par le 7e ciel, moléco côte pour être ça aller là. Mais seulement ange là réconforte nous aller là. Pas payer ta destination que te pour aller là. Voilà tahzanu patrice. Ça qui te fait alors y est là pas triste. Nahnu awliyakum fil hayati dunya wal akhirah. Tony nous brise au toi. Tant que le dunya, ce qu'elle te rend d'Akhila, te rend dans les mondes barzakh, nous brise avec toi. Get ça, réconfort. Qui ça dit moun? Qui dit moun? C'est lui qui dit à son robe, c'est Allah. Ensuite, il dit les femmes. C'est pas ça dit moun qui dit à son robe, c'est Allah, jusqu'à Ramadan. Son robe, c'est Allah, jusqu'à Namayat Kotli. Son robe, c'est Allah, jusqu'à Bakrid Kosté. Ensuite, ce robe, c'est Allah, c'est un vendredi. Ensuite, il revient normal. C'est quand il finit dire, ce robe, c'est Allah, thumma staqamu. Ensuite, l'intinili, fiyam. De sa ayat-là, Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs, y a nous une de bonne façon qui peut aider nous. Quand nous connaissons chaque ayat du Coran, il y a une relation à ce qui est avant. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous, idfa billati hiya ahsan. Idfa, repousse pour ça qui plie bon. Qui quelque chose qui vous repousse? Un quelque chose qui vous content? Un quelque chose qui vous content? Voit qu'il y a dit ça. Faudrait un quelque chose qui ou pas content. Mais seulement comment vous repousse lui? Idfa billati hiya ahsan. Repousse le pour ça qui plie bon. Veut dire qu'un quelqu'un indique une quelque chose. Comment tu auras mis ça? Pac-pac? Non. Allez, je connais tout le monde, mon collier là. Laissez-toi. Allez, après nous, comme ça. Non, je connais quand tu as mal, mauvaise information. Répousse-toi pour ça qui me dit. Ça, c'est que Allah subhanahu. Quand un dimoun développe sa qualité là dans lui, il forme ça, il fait vivre sa personne là. Qui dit pourtant qu'il m'a fait pas faire l'effet de lui? Pas faire aucun effet de lui. Mais seulement ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit à lui. En toi, et que tu as dit, et que ça a dit que tu es dans l'intimité pour toi là, innahu waliyun hamim. Allah subhanahu wa ta'ala prévient ton bon camarade. Ça a dit qui, avant, pas tu content toi là. Ça a dit qui, avant, tu peux juste redire ton défaut. À chaque fois qu'il dit quelque chose, l'autre, c'est repousse pour ça qui m'aillait toi. Prends pas chance à toi. Ce qui peut arriver un moment, Allah subhanahu wa ta'ala fait deviner un de tes bon compagnon. Mais sa qualité là, chers frères et sœurs, il peut être un djimoun de sa première partie qui nous entendait dans sa ayah là, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait cause concernant quoi? Concernant sa étape qui sa djimoun là, l'époukite, dunya. C'est pour ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, parmi une invocation qui nous enseigne, c'est que nous dit avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma hawwin alayna sakarat al-maut. Oh Allah, facilite pour nous sakarat al-maut. Imaginez-nous si le Rasul sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous ça, comment, qui étape, il était ça.